Bonjour à tous et à toutes, ici Négor. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Apex, comme vous pouvez le voir, Apex Legends. On va faire un petit test aujourd'hui sur les paramètres vidéo, tout ça, parce que le jeu vient de sortir, hein, mais il est full chelou. Le jeu est full chelou. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a tout en ultra sur le jeu. Donc avec mon i7 8086K et ma RTX 2080, on est tout en ultra. On a juste viré la scène verticale. Vous pouvez avoir les FPS en bas à gauche de l'écran, du coup, ici, je crois. C'est ça, ici en dessous là. Comme ça, vous pouvez voir les FPS que j'ai in-game en recordant et tout en ultra. Voilà, tout simplement. Donc, je vais lancer le jeu tout de suite. J'ai déjà fait plusieurs games. Pourquoi du comment, du pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, de base, j'ai lancé le jeu, j'ai record en même temps. Je fais vas-y, bonjour et tout, on découvre machin et tout ça. En fait, pas du tout, ça marche pas comme ça. Hein. J'avais oublié que c'était un triple A et que ça buguait dans tous les sens. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Tous les gros jeux, ils bug sur OBS. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. C'est Battlefield 5. Projet de carte 2, enfin, tous les gros jeux bug sur. C'est abusé, en fait. T'es obligé de faire masse réglage, tout ça, et trouver des solutions pour que ça bug pas. Donc j'espère que là, la vidéo sera nette, il n'y aura pas de saccade. Et bah voilà, tout ce que j'ai à dire. J'ai testé du coup deux persos pour le moment, le robot et la meuf que j'ai là actuellement. On repart sur le robot tout de suite, hein. Je joue beaucoup mieux. Et enfin, je joue beaucoup mieux, je connais beaucoup plus les capacités de type sort sur A et W. J'ai refait aucune touche, et toutes les touches m'ont l'air cool, donc ça va. Du coup, je suis assez content, pour une fois. Ah non, on fait chier, mon personnage va me voler, 100%. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sinon, par rapport à ça? Apparemment, actuellement, il n'y a rien qui bug. Mais ça va être bon. C'est fluide, parfait. C'est fluide, parfait. Parfait, 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 parfait. Allez, fuis ton personnage là. Oh, il l'a pris Pathfinder. Ah le bâtard. Je prends qui? Ah, elle, c'est la healeuse. Je vais prendre elle. Ah! Ça joue tout seul, bon bah ok, parfait, nickel. Comme quoi ça vous donne le truc en quoi je connais pas le jeu. J'ai fait zéro frag, comment ça? J'ai un frisson. J'ai fait des frags déjà. Ah peut-être pas. Si j'en ai fait déjà. Oh! C'est quoi ce délire là? J'ai fait des frags déjà. Bon bref, voilà, vous pouvez voir du coup le jeu en ultra. Blablabla. Pardon. Du coup le jeu en ultra. Ouais, logiquement c'est fluide pour vous, hein. Là, je vois que c'est chelou mais c'est fluide. Je crois que c'est fluide, enfin, j'espère en tout cas. C'est lui qui lead, ok parfait. Là, pour vous donner vos indications au niveau de mon PC, je suis à 7 Go de RAM utilisé, je suis à 50% de mon processeur et je suis à 98% de carte graphique. Voilà. J'ai remarqué que le jeu prend masse carte graphique. Left, contrôle, exécution manuelle. Je vais laisser d'abord partir et ensuite je me détacherai du peloton. Nouveau jeu donc édité par les créateurs de. Par Entertainment machin là. En plus je connais le nom. J'ai oublié, enfin vous savez très bien ce qu'on crée Titanfall. Du coup c'est dans l'univers Titanfall. Je suis un peu déçu parce que du coup il n'y a pas de Titan. Alors peut-être que ça va être arrivé en DLC peut-être, je sais pas. Et après le jeu, les textures sont jolies, mais alors il est dégueulasse au niveau des. De l'anti-crénelage, l'anti-crénelage est vraiment dégueulasse. Ok, je vois qu'ils sont tous arrêtés là-bas. Ils ont arrêté beaucoup plus loin. Hop. Hop. Alors, vas-y, on va commencer à looter. Moi, bon, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais du coup, j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai pas fait encore le tuto, donc voilà, faudrait qu'on se fasse. Je pense qu'on va se le faire, je pense. Parce que c'est quoi, ça va faire les vidéos à l'envers, mais c'est pas grave, ça va être drôle. C'est le but du personnage, quoi. LOL. Du coup, paf, pif, paf, pouf. Pif. Tac, tac, tac. Ok, je sais pas du tout qu'il fallait tirer là-dessus, hein. J'en avais aucune idée. Fait comme ça. Fait comme ça, son pistolet il va se virer au bout d'un moment, 100%. Je comprends rien au bâtiment, c'est génial. Donc là on peut voir que je suis à 150 FPS, à peu près constamment. Ouh, gros drop passant. On ouvre la porte. Est-ce que je peux monter? Voilà. Ah! Ah la pute! Pardon. En fait, je me suis au taf, comme j'ai beaucoup de cartons, en fait, je me coupe les doigts. Alors, en plus, j'ai des gants, mais il faut que je les mette, j'y mets jamais, je suis un connard, c'est pour ça. Enfin, comme d'habitude en fait. Bref, du coup, on a du carton et du coup, je me coupe les doigts H24. Et donc, du coup, c'est chiant. Du coup, ça fait mal aux doigts. Ça picote les doigts. Et... le même viseur là? C'est le même viseur. Non, c'est pas le même. Ah, pas du tout le même ça. Je comprends pas. Attendez.
Voilà. Et ensuite, sur le flingue, tu mets... Voilà. Ah non, ok, d'accord, il change sur l'autre. Con! Le con! Nul. On rechange un viseur. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Ah, je connais pas les items, hein, calmez-vous. Vous voulez voir un mec qui sait jouer au jeu? Bah, c'est pas moi, faut aller voir. Hein. On va aller voir un type qui s'appelle, qui commence par un O, qui finit par un A. Donc on l'appelle Go Tiger, il me semble. Fusil à pompe. Ah, c'est pas intéressant ça. Ouais, non, Balek. Allez, go. On va bien avoir un fusil d'assaut, s'il vous plaît. Bon, par contre, ouais. Par contre, ça, j'en remarque de plus en plus. Hein. Quand t'as une RTX et que t'as plus de 100 FPS H24, hein, il te faut un écran 144 minimum, quoi. Enfin, il te faut un bon écran, en fait. Même pas 144 forcément, mais il te faut un bon écran. Si t'as un écran de merde, ça te nique tout le jeu, en fait. Genre. Vous voyez pas, mais en fait, moi, le jeu, il est fluide. Mais il est pas. Je sais pas comment dire. Il y a un mauvais ressenti. Je pense que ceux qui ont des gros écrans doivent savoir ce que je veux dire. Bon, pour ça, on s'en fout. P20-20. Exactement celui que j'ai. Bon, un fusil d'assaut, non? Genre, tu veux pas le jeu. Ah, là, il y a eu un petit drop, là. Oh, il y a un coffre. Ah! Moi, je fusille à pompe. Hein. Monsieur, bonjour. Excusez-moi, j'apprends le jeu. Hein. Pardon. Comment qu'on joue? Attendez. Ah, rien, ça. Ouais. Ok. Ensuite. Ah, c'était bouclier max, ça c'est bien ça. Je viens de lire ce qui est marqué. Ok. 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 C'est un coffre ça, parfait. Wow. Pas tout ça. Et je vais virer ça. Revolver puissant. C'est vrai que j'ai un pompe déjà. Je pense que je vais faire ça. Le revolver. Je vais virer ça. Après le revolver à la place. Mais équipe des trucs aussi. Starfoufou, je fais quoi là? Bon, vas-y, je cours. Il voulait pas glisser comme d'habitude. Je suis pas là. Ah, le nul. Je me suis fait peur tout seul en fait. Oh. Vraiment, j'ai eu la même sensation que dans Alien Isolation. Quand l'alien me suit et que j'entends de courir, j'ai eu la même sensation, la même, genre en mode. Oh putain. Bon bah voilà, c'était juste un test des performances merde. Sur Apex Legends. De toute façon, je pense que je vais downgrade le jeu en qualité parce que de loin. Enfin, je sais pas comment ça rend vous. Ça a dû lisser, je pense, pour vous à la vidéo. Sur YouTube maintenant, vu comment ils traitent les vidéos, c'est un truc de ouf. C'est pire qu'avant. Vraiment, la qualité est vraiment dégueulasse. Mais bref, en fait, il y a un effet d'anti-crénelage qui est fait sur les feuilles ou les textures qui sont loin. Et en fait, ça rend le jeu flou, en fait. Mais vraiment flou. Genre, pas juste crénelé, quoi. Enfin, pas juste anti-crénelé, on va dire. Mais vraiment flou. En mode, vraiment, la feuille, tu la vois comme ça.
En fait, dans le jeu, quand t'es en train, elle est comme ça, tu vois. Genre, tu la vois plus grosse et tu vois un effet de brume sur le côté. Enfin bref, dégueulasse. Pour moi, je trouve ça dégueulasse. Donc, faut que je vois comment paramétrer le jeu correctement. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'aurai du coup plus d'FPS, mais du coup, ça sera plus représentatif de comment je joue au jeu. Et voilà. Voilà. Là, c'était juste pour vous montrer le jeu en ultra, en record. Qu'est-ce que ça donne sur un PC qui vaut 3000 euros pour pas grand-chose. Voilà. Sur ce, c'était Négor. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Je le dis jamais, mais du coup, je vais le dire là aujourd'hui. Je vous le dirai pourquoi maintenant je vais dire ça, mais voilà. En tout cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, et puis ciao tout le monde, et surtout, portez-vous bien.